Bienvenue sur la chaîne de Studio Lucorna. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge Mystery of Well of Pizza. Donc c'est parti. Avec une base de crème fraîche. Première manche. Sauce algérienne. Voilà. Donc t'en mets un petit peu. Ah, je déteste en plus. En base. J'ai cru que ça allait tomber sur bonus en plus. Ah bah oui, t'appuies dessus en même temps, c'est normal. Allez, vas-y, mets un petit peu. Vas-y, t'appuies dessus, vas-y. Toi, t'attends. Oui, je comprends quand même. Voilà, on n'a pas mis beaucoup, hein. Elle aime pas ça, non. Allez, deuxième. Ça fait moche. On va la goûter à la fin, ce sera horrible. Peut-être pas. Hein. Du jambon cru. C'est ça? Oui, vas-y, tu prends une tranche. Ah, c'est dégueu en plus. En fait, là, j'ai que des trucs mauvais. Tu mets une tranche et puis ce que tu peux faire, c'est que tu peux les couper en plusieurs petits bouts et les disperser un peu partout. Mais on aurait dit du bœuf. C'est dégueu. Allez, troisième. Encore. Bah voilà, tu mets l'autre moitié. Ouais. Quand même, c'est bon, donc j'ai de la chance. Allez, vas-y. Puis je cuis, je sais pas ça a quel goût, donc on verra bien ce que ça va donner. Non, ça va. C'est trop bon. Quatrième. Vas-y, tu peux mettre un petit peu de gruyère partout. Donc on a mis dans des petits bols. Hein. Ah, t'es pas obligé de tout mettre, tu peux en parsemer un petit peu partout. En plus, ça, c'est la base. Ouais. J'espère qu'elle va être bonne, hein, parce que c'est notre repas de ce soir. Ouais. Après, sinon, on fera cuire quelque chose d'autre, mais on va quand même Oui, bah oui, on va pas faire du gaspillage non plus. Hein. Ou après, on la garde pour demain. C'est pour ça que j'ai pas choisi des aliments. Comme il y en a qui mettent des bonbons. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment voulu faire une pizza assez soft pour avec qu'on puisse la manger et que la nourriture ne soit pas gâchée. Ouais, avec l'hamburger quand même, il était assez bon. L'hamburger, on l'a fini d'ailleurs entièrement, mais moi, elle m'a fait faire la vidéo et franchement, c'était trop beau. Allez, cinquième, c'est bien la cinquième. Oui, vas-y. Il y a deux trucs en fait, c'est bonus et maman choisie. Voilà, c'est ça. Blanc de poulet. C'est déjà bon. Pareil, tu peux couper des petits bouts et en mettre un petit peu partout. Dites-nous les pizzas que vous aimez en commentaire d'ailleurs. Moi, j'adore que la fromage. On aimerait bien savoir les pizzas que vous aimez. Et quand même, ça fait une pizza belle. Ouais. D'ailleurs, oui, comme Luna vient de vous le dire, nous, on adore la pizza au saumon, la pizza au fromage. Laquelle aussi? La pizza aux légumes. Ah oui, la pizza aux légumes qui est bonne. Et on aime bien aussi la pizza poulet champignons. Ah oui, poulet champignons. Allez, sixième. Et en fait, cette application est trop bien parce qu'on peut choisir aussi les voilà. Trucs. Donc, si l'application vous intéresse, c'est Décision Roux. Maman choisit. Alors, il y a du poulet. Du poulet, du parmesan, des oignons. Du saumon, du gruyère, de la mozzarella. Qu'est-ce que je vais choisir? Tu veux quoi? Soit ça ou soit ça. Alors, bah là on va mettre une tranche de saumon. Parce que j'ai envie d'en manger du saumon hein, quand même. J'ai que des tranches. Ouais, c'est ça qui est bien.
Tiens. Merci. Oh, ça fait une belle pizza quand même. Et Voilà. regardez la tranche qu'elle m'a donnée. Septième. Il reste encore après 3 manches. Allez, il faut quelque chose que l'on n'a pas eu. Maman choisit! Maman choisit. De la mozzarella. Donc je prends une tranche. Vas-y, tu fais des petits bouts, pareil. Tu mets un petit peu partout. Mais j'ai que des tranches. Huitième partie. Quel va être le huitième ingrédient? Imagine ça retombe sur de la mozzarella. Non, maman choisit. Oignon! Allez, un Ça petit peu mange pas d'oignon. la pizza. Allez, si, les oignons, on les sent pas dans les pizzas. Dans toutes les pizzas qu'on achète, Luna, ou qu'on va chercher, ben, il y a des oignons. Donc là, tu en mets quelques-uns. Là, les oignons, c'est un truc qu'elle déteste. Ça sent fort. Là, n'aime pas les oignons. En plus, vas-y, mets-en 2, 3 et puis c'est bon. C'est bon, parce que là c'est un gros morceau quand même. Alors, du coup, Neuvième. neuvième. Après encore un seul. Que va-t-on avoir? Encore des oignons. Mais c'est mort. Ah, tu vois, tu Un voulais pas seul. d'oignons. Du coup, non, t'en mets au moins 2, 3. Non, encore 2-3. Mais toi, t'as de la chance, t'aimes bien. Allez, dernière partie. Et après, on a fait Va-t-on accepter encore quelques manches pour Luna? Gruyère, donc tu peux remettre du j'allais gruyère. mettre du parmesan. À votre avis, donne-t-on à Luna? Ah, oh, mais elle en met trop! Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans la pizza, est-ce qu'on refait 5 manches? Allez, c'est parti pour les 5 autres manches suivantes. On a toujours les mêmes, jambon cru. Ça va, t'aimes bien. Allez, vas-y. Pareil, tu mets tout, hein. Douzième. Deuxième. Douzième. Oui, on a 12, c'est vrai. Donc en tout, on compte jusqu'à 15 finalement. Et peut-être jusqu'à 20, hein, on verra bien. Allez, déjà, 12e. Du Blanc blanc de poulet. poulet. Mais il est où le poulet? Nous, on veut du poulet dessus. Oh ouais. Donc, vas-y, mets des petits bouts comme tout à l'heure. Pas trop. Les Et puis. pizzaiolo. Allez, 13e. Troisième. J'aime bien cette Allez, application. allez, Et en plus, la allez. roulette, elle est En une pizza. pizza, voilà. On a fait exprès de prendre la roulette pizza. C'est quoi? Bonus! Nus. Alors, tu peux choisir un ingrédient que tu n'as pas encore mis dedans. Ou remettre du saumon, ou je sais pas. Comme tu... Vas-y, bah, tu peux mettre du poulet, quelques tranches de Oh, poulet il y a un du petit peu éparpillées. sang. C'est normal, c'est du poulet, Luna. Voilà, t'en mets un petit Quoi? peu partout. 14e. Quatorzième. Ah, ça fait joli quand même. Ouais. Sans Ça nous par contre, donne très faim. ça je peux pas le manger parce que ça se Alors. mange pas comme ça. Je suis morte. Luna est dégoûtée, elle déteste les oignons. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. 15e. Quinzième, Morande. Non. Mais c'est Marthe. J'en ai Bon. 2 tranches, hein, parce que j'en ai trop. Allez, on va te refaire faire 5 manches. Et après, c'est terminé, hein. Ça nous aura fait 20. 20 manches au total. Pour pimenter un petit peu la pizza. Non. Mais non. Mais non, fallait taire en fait, fallait pas dire que t'aimais pas les oignons. J'aime les oignons. Allez. Ça fait Un déjà. bonus, un bonus, un bonus. Abonnez-vous, s'il vous plaît.
plaît, sinon je meurs. Si j'ai encore Yes. Du saumon. Vas-y, remets-nous une petite tranche de saumon. Ah, tu veux peut-être que je te la donne? Non, ça va aller. Non, en fait, il faut la prendre ici. Ah, il y a deux tranches. En fait, c'est plusieurs tranches, tu vois. Mmh. Tiens, tu peux la couper en plusieurs morceaux. Allez, vas-y, mets-en un peu partout. Ce serait bien qu'on ait encore de la mozzarella après. Oui. Non. 17. Oui, on a 17. Allez, 18e round. 18e. Round. Allez. C'est quoi le jaune? Du blanc de poulet. Du blanc de poulet. Je déteste ça. Ah, oh, j'aime trop gourmand ça. Luna a la faim. Elle dévore au passage. Non, c'est 18e. 18e, t'es sûre? Bah oui. Ah oui, vas-y, 18e round. Mange, round, comme vous voulez. Loin de poulet. Non. Si. Bon, on va peut-être plus remettre de blanc de poulet. 18e round. Parti. Comme vous voulez. On veut de la mozza, de la mozza, de la mozza. Ça dit pas la mozza. Mais non, mais pas du jambon. C'est une arnaque, cette roue. C'est une arnaque. Ah, heureusement qu'il reste que ça. Bah, vas-y, coupe les derniers bouts qui restent. Mets-les dans la pizza. Mais si après, on retourne dessus. Bah, tant pis, on devra utiliser autre chose. Ou au pire, on mettra du poulet. Oui, voilà. Enfin, non, mais on verra. Bon, bah ça, t'es pas obligé de le mettre, le truc blanc. Hein. Que ça. Voilà. Voilà, on a fini le morceau. 19e. 19e. Allez, s'il vous plaît, de la mozzarella ou de la sauce algérienne. Ça. Ah ouais, du parmesan, on n'a pas eu. C'est maman choisie. Maman choisie. Alors, on va mettre du parmesan. Yeah. Vas-y, donc tu saupoudres au-dessus de ta pizza. Voilà, vas-y, saupoudre. C'est quoi du parmesan? C'est du fromage, mais en petite poudre. Vas-y, n'hésite pas à en mettre. C'est super bon sur les pizzas, dans les pâtes. Enfin, moi, j'adore ça. Tiens, dites-nous s'il y en a qui mangent du parmesan et si vous aimez ça. Moi, j'adore. Enfin, s'il y en a qui connaissent et si vous en mangez. Moi, j'adore. Ah, c'est bon. Voilà, allez. 20e manche et la dernière. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Allez, dernière manche. 20e manche. Alors, à votre avis, sur quelle case Luna va-t-elle tomber? Oui. Oh non, vous voulez de la mozzarella? Ouais. Je vais prendre la parmesan. Bon, bah vas-y, tu peux nous vider le gruyère. Hein. Vas-y, vide le gruyère par-dessus. Oh. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble la pizza créée par Luna grâce au Mystery Well. Quand même elle est jolie. Oui, elle est jolie. Donc on va pouvoir aller la faire cuire. Oui. Et ensuite, on va la déguster. Allez, c'est parti. La pizza est finie. De cuire. Voilà. Donc on vous montre ce que ça quand donne. Quand même c'est un peu joli. C'est joli. Franchement, ça donne faim. Bon. Ouais, elle donne faim. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper et puis on va la déguster avec vous. C'est parti. Donc voilà, maman a fini de couper la pizza. Donc on a une petite assiette avec une fourchette et ça, parce que ça a l'air très très chaud. Donc on va prendre une part chacune. Tiens maman. Alors on va goûter cette petite pizza. Bon, moi je prends la première part qui vient devant moi. Moi je prends celle-là où il n'y a pas d'oignon. Et puis on va goûter. Hein. Oui. Luna, ça y est, elle fait tout tomber. Alors. C'est chaud quand même. T'es prête? Attends. Vas-y, qu'on goûte en même temps. Voilà. T'es prête? Oui. Ah. Bah, t'as rien pris, t'as pris que de la pâte. Faut prendre les ingrédients qu'il y a devant. Ah, je suis pas bon avec la sauce.
ça va, tu peux même la manger comme ça, elle n'est pas très chaude finalement. Donc personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais, c'est bon. Mmh. Cette recette à la maison, elle est trop bonne. Ouais, franchement. Trop bonne. Mmh, je suis régalée. Donc on se retrouve dès qu'on a fini notre pâte de pizza. Donc en fait, elle est très bonne. Dommage que la croûte elle est un peu cassée. Après on va laver la table. Et maman aussi, on s'en fout. Elle s'en met partout. Donc maman, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bon. Ouais, c'est vraiment bon. J'aurais pas pensé qu'elle serait aussi bonne en fait. Oui, je suis une bonne pâtissière quand même. On ne dit pas une bonne pâtissière, une bonne cuisinière. Ouais. Je dirais même une bonne pizzaiolo. C'est très très bon. Donc n'hésitez pas à refaire ce challenge avec vos amis, votre famille. Ou alors même, si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à refaire cette recette sur votre chaîne YouTube. Bien sûr, avec le petit Mystery Well. Ouais. Ou alors en suivant notre recette. Hein. Voilà. Comme ça, vous verrez le goût que ça aura. Donc là, c'est trop bon. Bon, nous, on va vous laisser. Ouais. On va aller terminer la pizza, se mettre un petit film. Donc, on va garder deux parts de pizza pour papa. Voilà. Pour ce soir, quand tu vas rentrer du travail. Oui. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et surtout, abonnez-vous. Ça me ferait très plaisir. Donc, ciao pour de prochaines aventures. Bisous, bisous.